cover. You've been gone for a while, and I've been missing my love. I'd give the world to see your smile, 'cause I never met a woman like you. Standing at the back of the line, just waiting for the sun to shine. We wrote the book, then you took away the spine of the angel's flute. I never met a woman like you. I've lost my identity, I'm all mixed up inside. And you're so too invited again, someone else's bride. But I can still see your eyes running through my brain, the way you made me feel alive, to never feel that way again. And standing at the back of the line, just waiting for the sun to shine. We wrote the book, then you took away the spine of the pages flew. I never met a woman like you. Je me demande deux choses pour l'avoir. La première, est-ce que les insectes ils ont un cœur? La deuxième, pourquoi le beurre président c'est si beau? Ils ont cherché sur le cœur. Ils ont repensé les questions. Il y avait une question que j'avais avant. Est-ce que les insectes dorment? Par exemple, oui. Alors, les insectes et les arachnides ne dorment pas de la même manière qu'un humain ou même qu'un chat. Ils n'ont pas de paupières. Oh, les pauvres. Et donc, ils ne peuvent pas fermer les yeux. Ben, du coup, ils dorment comment? C'est merveilleux. Hein, tous les êtres vivants, sans exception, ont besoin de dormir pour vivre. Merci.
ils replient leurs antennes, ils mettent leurs ailes contre leur corps et baissent leur température interne. Ok, combien de temps ils dorment? Quoi? La reine des fourmis dort 9 heures par jour. Eh, ça va, hein? Les ouvrières 5 heures. Ah, moi, je suis une ouvrière. Ok. Maintenant, est-ce que les insectes... Ah, j'avais pas écrit insectes... ont un cœur. Ah, il y a deux gens qui ont demandé avant moi. Oui. Les insectes ont bien un cœur qui permet de véhiculer le sang ou l'hémolymphe dans l'ensemble du corps. L'hémolymphe n'est pas rouge, nanana. Mais ils ont bien un cœur. Bon, ben tu vois, Raj, les insectes, ils ont un cœur, faut pas les tuer. T'as compris? Alors t'arrêtes. Ouais, c'est vrai que tu les tues pas. Mais c'est au cas où, si un jour t'avais eu l'idée de tuer une fourmi ou tout ça, ben pense qu'elle a un cœur. Comme toi. Donc c'est pas gentil. Pourquoi le beurre président est si bon? Personne n'a posé la question avant moi. Peut-être c'est parce que je n'habite pas en France et que pour moi le seul beurre français c'est le beurre président. Il doit bien avoir une particularité ce beurre. Bon, je tombe sur la propagande de président, la marque. Bon, j'imagine. C'est pas le meilleur endroit de m'enseigner. On va aller regarder la marque présente sur Wikipédia. Bon, ça existe depuis 1968. Premier produit lentier, ça a été du camembert. Et c'est qu'en 72 qu'il y a le beurre. Ah ok, non mais sur Wikipédia, j'ai que les slogans. Donc terminer avec cette question de pourquoi le beurre président est si bon. Car je n'en parle pas du beurre président. Pendant le confinement, il n'y en a pas. Je vais te
lire les slogans. Président, le vrai fromage signé Besnier. Président, 2 litres de lait pour chaque camembert. Président, la certitude d'un vrai camembert. Camembert et beurre président, on n'est jamais déçu. C'est vrai. C'est pas faux. N'est pas président qui veut ou qui peut. Camembert et beurre président. Ah non, j'ai déjà dit. Président, la crème des beurres. Quand on aime la vie, on aime président. C'est marrant parce qu'après les slogans ils ont commencé à tourner à partir de la à propos de la vie et du bonheur. Président, bien manger c'est le début du bonheur parce qu'on ne plaisante pas avec le plaisir. Prenons la vie côté plaisir. Les industriels ils se foutent vraiment de notre gueule parce qu'en fait. Dans la publicité. Ils ne nous vendent plus un produit, mais ils nous vendent un état. Un état de bonheur, un état de joie, de se sentir pulsant, le fait de se sentir séduisant. Le fait de se sentir hyper sociable. Par exemple, Coca, on ne fait pas des pubs sur Coca. On fait des pubs sur ce que ça représente que faire partie de la communauté des gens qui boivent du Coca. T'es cool, t'as des potes, t'es beau, tout ça, tout ça. Les chewing-gums Hollywood n'ont jamais vendu des chewing-gums. Tu vois, le fait que quand je mange des chewing-gums Hollywood, t'es cool comme les Américains. Que je trouve pas cool d'ailleurs. Ça va, Raj? À peine. Je vais parler un mot. Hein. Ça va? Oui.